monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Halloween, puisque je crois que vous avez dû le voir dans la miniature. Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo que je vous ai encore jamais fait sur ma chaîne, puisque je me suis essayée un petit peu aux techniques d'effets spéciaux, même si vous allez voir dans cette vidéo, il n'y a clairement rien que vous n'ayez pas à la maison. Parce que premièrement, j'avais absolument pas le matériel, et deuxièmement, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose que vous puissiez reproduire le jour d'Halloween, sans forcément courir la veille d'Halloween, aller acheter plein de matériel. La seule chose par contre qu'il vous faut, c'est une capsule que vous pouvez retrouver soit en supermarché, soit en essayant pourquoi pas la technique des faux ongles avec des pailles. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, ce ne sont pas mes mains, ce sont les mains de mon chéri qui s'est très gentiment prêté au jeu. De cette façon là, j'avais mes deux mains libres et c'était beaucoup plus pratique, mais vous pouvez très bien le refaire tout seul ou alors demander à des amis de vous entraider. Et avant de vous laisser avec cette vidéo, je vous mets juste là tous les SMS que j'ai envoyés à mes amis, aux amis de mon chéri. Donc je vous laisse juger par vous même, mais j'étais hyper contente parce qu'ils étaient quand même assez nombreux à être tombés dans le panneau. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si jamais vous voulez que je vous en refasse d'autres dans ce style, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Et c'est parti! Alors la première étape va consister à trouver la bonne capsule. Donc moi j'ai utilisé les capsules double face dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Vous pouvez également utiliser une capsule normale. Dans ces cas-là, il faudra la faire coller soit avec de la colle à faux ongles, soit avec un petit patch double face. Et sinon, dernière solution, vous pouvez essayer avec la technique des faux ongles en paille. Je vous remets la vidéo juste là. Donc une fois que j'ai trouvé la bonne capsule, je vais vraiment essayer de faire correspondre la taille du mieux possible de façon à ce qu'on ne voit plus la transition entre le vrai ongle et le faux ongle. Ensuite, avec une pince à envie, j'ai retiré toute la partie French manucure parce que ça faisait pas très naturel et de toutes les façons la capsule était beaucoup trop longue par rapport à la taille de l'ongle de mon chéri. Et à cette étape là, le but c'est vraiment d'avoir un faux ongle qui correspond parfaitement à la taille de votre vrai ongle. Ensuite, toujours avec la pince à envie, j'en ai profité pour faire une petite entaille, vraiment pour faire comme si l'ongle était déjà très abîmé. Et ensuite j'ai dépoli toute la surface de la capsule pour retirer le côté brillant un petit peu trop plastique et aussi pour continuer à donner ce côté très abîmé. Ensuite, je reprends ma pince à envie et je vais commencer à découper la capsule, cette fois-ci sur toute la longueur. Et j'y suis allée en deux coups de ciseaux de façon à obtenir un côté vraiment cassé et non pas une ligne trop droite. Une fois que la capsule est prête, on va passer à la préparation de l'ongle. Donc pour ça, j'ai utilisé de la colle en bâton et du coton. Donc je vais appliquer un petit peu de colle à l'aide d'un bâtonnet de bois et j'en ai pas appliqué sur toute la surface de l'ongle, j'en ai appliqué au tiers de l'ongle, on va dire. Et tant que la colle n'est pas sèche, je vais appliquer un petit peu de coton et pour ça, je vous conseille vraiment d'ouvrir le coton en deux parce que c'est à cet endroit-là que le coton est le plus duveteux. Et cette partie-là représentera, vous le verrez, la chair, donc c'est pour lui donner en fait un petit peu de texture. Ensuite, je vais coller la première partie du faux ongle qui est normalement sur la partie sur laquelle on n'a pas mis de colle et de coton. Et donc maintenant on va ajouter un petit peu de couleur, donc pour ça j'ai pris le vernis rouge qui se rapproche le plus de la couleur du sang, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre n'importe quel type de rouge, il faut juste qu'il soit pas trop rosé. Et la petite astuce, c'est d'ajouter une petite pointe de noir à l'intérieur pour lui donner vraiment un côté rouge sang très réaliste. Donc je vais commencer par appliquer cette couleur sur la partie de droite et ensuite j'ai liquéfié un petit peu cette couleur avec un petit peu de dissolvant que j'ai posé sur ma palette et que j'ai dilué un petit peu avec la couleur, de façon à l'appliquer au niveau de la capsule pour que la couleur passe un petit peu en dessous, comme si c'était du sang qui était passé sous l'ongle. Ensuite, je vais m'occuper de la deuxième partie de la capsule, qui est beaucoup plus petite normalement, et je vais la découper, et comme vous le voyez, je vais vraiment l'arracher de façon à ce que la coupe ne soit pas toute droite, comme si on avait mis un coup de ciseau, mais comme si vraiment ça avait été arraché. Et je vais coller la partie du haut à l'aide d'une pince, et là ça commence à devenir assez gore, parce qu'on voit du coup le sang sécher à travers, et c'est vraiment le but. Prochaine étape, on va maintenant s'occuper de tout le sang qui aurait dû couler normalement tout autour de l'ongle. Et pour ça, comme tout à l'heure, j'ai fait un mélange entre du vernis rouge et du vernis noir. Et à chaque fois que vous allez retremper le pinceau dans le vernis, je vous conseille de faire un nouveau mélange de façon à obtenir un maximum de nuances de rouge. C'est vraiment ça qui va donner un côté très réaliste. Ensuite, j'ai mis un petit peu de vernis entre les deux capsules comme si le sang avait coulé et je tapote un petit peu avec mon doigt pour estomper. Et je continue à ajouter un petit peu de vernis tout autour de mon doigt pour faire comme du sang séché. Et là, je trouve que ça commence à devenir vraiment gore. Et ça va également permettre de camoufler un petit peu la transition entre le vrai ongle et le faux ongle. Je n'hésite pas non plus à en mettre sous l'ongle. En fait, j'en mets vraiment partout où le sang aurait pu couler. Et je n'hésite pas non plus à estomper un petit peu la couleur ci et là pour donner vraiment un côté très réaliste.
Ensuite, j'ai pris une éponge à dégrader pour salir un petit peu la capsule, qui d'ailleurs n'a pas la même couleur que l'ongle naturel, donc comme ça, ça camoufle, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris un petit peu de dissolvant directement sur la pulpe de mon doigt, que j'ai tout de suite passé sur la capsule, de façon à liquéfier un petit peu le côté un peu trop mousseux de l'éponge. J'ai continué à ajouter un petit peu de réalisme en ajoutant des petites taches de sang ci et là, mais vous allez voir par la suite que j'en ai encore ajouté. Ensuite, j'ai refait un rouge sang, mais cette fois-ci avec un petit peu moins de noir à l'intérieur pour faire un sang un petit peu plus frais. Et j'en ai appliqué un petit peu partout, mais surtout au niveau de la chair, parce que ça va nous permettre de rajouter un petit peu de matière et de camoufler davantage l'ongle naturel. Et j'en ai appliqué également un petit peu sur le pourtour de l'ongle. Et finalement, je vais prendre un petit peu de vernis rouge qui a bien séché sur ma palette pour en ajouter un petit peu sur les doigts. Et finalement, j'ai refait du vernis rouge sang avec du dissolvant de façon à glisser le tout sous mon ongle pour donner un côté encore plus réaliste. Et là, j'en profite également pour vous montrer la main droite qui m'a servi en fait de test avant de vous filmer cette vidéo. Et pour terminer, je voulais vous montrer la dépose et franchement, je me demande si c'est pas le moment le plus gore de cette vidéo. On a l'impression que je lui décolle l'ongle, c'est affreux. Et à ce moment précis, je me rendais pas forcément compte parce que j'avais complètement le nez dedans. Pour moi, c'était des capsules et du vernis. Mais sincèrement, au moment où je vous montre cette vidéo, on a juste l'impression que c'est de la chair à vif. C'est absolument dégoûtant. Et pour terminer, je vous montre que l'ongle de mon chéri va bien. Aucun petit copain n'a été maltraité pour cette vidéo. Et je le remercie encore de tout mon cœur de s'être prêté au jeu pour cette vidéo. Merci. Merci chérie. Et voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il pourra vous être utile pour Halloween. Et surtout, si vous reproduisez ce tuto pour Halloween, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les photos. Enfin voilà, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.